passé donc 4 mois ensemble pour, en 4 étapes, monter à la finale une émission de télévision. On va se diriger tous ensemble au lycée Jean Tharis, à Peyrehorade. Vous comprenez évidemment qu'il sera extrêmement important de poser les bonnes questions pour comprendre exactement quelle est cette orientation, quel est ce métier magique et un peu secret de l'aéronautique. Est-ce que c'est l'argent qui a poussé la personne à faire ce métier ou juste la passion? Mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce métier? Déjà, il faut demander la formation. Mais pensez-vous trouver de l'emploi après votre formation? Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à un prof? Pourquoi il aura fait apprendre ce qu'il aura appris? Parce que ça sert à quelque chose, mais ce qu'il aura appris, ça sert plus à... Moyen la question. Moi, j'aurais pu se demander qu'est-ce que les profs trouvent la difficulté qu'ont ces jeunes le plus dans ces formations. Tu peux la reformuler en français, s'il te plaît? Pour savoir ce qu'ils ont fait avant pour en arriver là. Parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une question et une réponse. Quelle formation est-ce que tu fais en ce moment? Je fais dans l'aéronautique. Et pourquoi tu as voulu faire ça? Parce que les constructions me plaisent. J'aime beaucoup ce domaine dans l'avion et tout. Bonjour, comment vous appelez-vous? Patrick Alberti, je suis le chef de travaux de l'établissement. Et pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? J'ai commencé avec une formation de BTS en électrotechnique, ensuite enseignant pendant plus de 20 ans dans ce domaine-là, et ensuite chef de travaux, donc un parcours très classique. Comment donnez-vous le sens de responsabilité à vos élèves? C'est tous les jours. Par exemple, un élève qui rentre en maintenance aéronautique va devoir prendre en charge une caisse à outils. Et cette caisse à outils, l'inventaire est fait au moment où il reçoit la caisse à outils, l'inventaire est fait lorsqu'il la remet au magasin en fin d'activité. Cette responsabilité se dégage au travers de toutes les actions et de tous les TP qui leur sont donnés. Donc c'est un sens qui doit être développé et mis en place très tôt dans la formation. Tu as choisi le lycée de l'aéronautique Jean Tharis à Peyrehorade. Quelle formation fais-tu exactement? Là, ça fait 2 ans, je suis en technicien aérostructure. Quelle matière faut-il maîtriser au collège pour demander une formation technicien cellule ou technicien aérostructure? La construction et savoir bien manipuler les choses. Quel diplôme prépares-tu? Un bac pro et un CAP. Pour savoir si j'aimais la mécanique, j'ai fait mon premier stage en mécanique véhicule qui se trouve à Tyros. J'ai beaucoup aimé, donc je suis restée ici en mécanique aéronautique. Donc cet avion, on le répare totalement, donc on l'a démonté entièrement, c'est un avion qui a été accidenté. Donc on découpe l'aluminium, on repart, donc ici vous avez les mentions complémentaires, donc c'est ceux qui sont après le bac qui ont refait toute la structure. On vient en fait plaquer notre plaque, mettre le rivet, et avec un marteau, c'est un marteau pneumatique, on vient écraser le rivet qui vient tenir la structure, donc vous en avez ici. Donc là, c'est tout en aluminium, c'est que de l'aluminium. Donc dans un avion, on a 3 structures, la structure primaire, secondaire et tertiaire. La primaire, c'est une structure qui nous permet de faire voler l'avion, et sans cette structure, on ne peut pas voler. La seconde, on peut voler, mais on va avoir des dangers et des risques. La tertiaire, c'est tout ce qui est équipement et qui est dispensable à l'appareil. Ça, c'est une matière primaire. Tout ce qui est la structure extérieure, toutes ces parties-là, tout ça, c'est la structure primaire. Structure secondaire, par exemple, la bulle, la vitre.
Donc si elle vient à casser par exemple, si un oiseau est venu rentrer dedans, le pilote pourra toujours venir atterrir. Et la tertiaire, par exemple, on va prendre un siège. Ça va, nous, bien sûr, ça va gêner le pilote, mais il n'y aura pas de problème au niveau de l'appareil. Les présentateurs arrivent et s'assoient, ils se disent bonjour, ils disent le titre, ils expliquent le magazine. Oui. Les invités arrivent et ils restent au chaud. Présentation par le présentateur. Et ensuite, ils demandent l'avis des invités sur chaque reportage qui passe. On m'a posé, she's just asking. 5, 4, 3, 2. Bonjour Mandy. Bonjour Corentin. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça plane pour nous, un magazine qui vous présente le secteur de l'aéronautique, réalisé par les élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan. Et tout de suite, nous accueillons une ingénieure, Sarah Ndiaye, qui va nous accompagner tout au long de ce magazine, et notre chroniqueuse Ornella Tremblay. Bonjour Sarah Ndiaye. Bonjour. Nous vous remercions de votre venue sur le plateau pour répondre à nos questions. Vous venez donc du CNES, Air sur la Dour. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous expliquer? Alors tout d'abord, le CNES, ça veut dire Centre National d'Études Spatiales. Donc ça veut dire que les gens qui travaillent au CNES, aujourd'hui, réfléchissent, inventent et fabriquent les fusées, les satellites et les ballons pour la France. Et je m'occupe plus particulièrement des nacelles qui contiennent de l'électronique. Maintenant, Ornella, notre enquêtrice, va nous résumer les résultats obtenus lors de l'enquête au Collège Pierre Blanqui. Parmi les élèves de 3e interrogés au collège, la plupart, 81%, connaissent l'existence du secteur de l'aéronautique. Ils ont eu accès à l'information, c'est bien en majorité grâce aux médias qu'ils l'ont obtenu. Seuls 10% sont intéressés, car ils pensent que même s'ils préparent à des métiers variés, les études sont difficiles. Malheureusement, si on va dans un lycée de l'aéronautique, les filles sont minoritaires. Donc en fait, j'ai eu un parcours tout à fait standard. On peut le dire comme ça, c'est que en fait en troisième à mon époque, j'ai constaté que je préférais les cours de technique et de sciences plutôt que la biologie. Donc je me suis tout de suite orientée avec une seconde avec l'option technique et donc j'ai continué dans cette voie. J'ai fait la fac de sciences et avec l'option physique pour arriver jusqu'à mon doctorat en électronique. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Ça plane pour nous, le magazine qui vous en dit plus sur l'aéronautique.